un de bandichou qui nous finit aussi faire représentation avec avec le ministère du Travail, c'est qu'il est Maurice. Pas seulement l'IP refuse de négocier avec le syndicat, mais l'IP reconnaît même qu'il est dans la loi, que le syndicat qui est reconnu pour capable de négocier pour un employé. Bon, là, il y a un peu de problème, il y a un problème soulier pour le staff, il y a une nouvelle condition qui est imposée le ban staff actuellement, surtout dans l'avion, côté un élément qui le staff pour concerner parce qu'il y a une réduction du personnel à bord et en même temps, il y a un ban travail additionnel sans même expliquer parce qu'il y a même un élément de risque qui c'est qu'on appelle le risque assessment qui vient considérer en même temps. Donc, nous faisons obliger le ministère du Travail pour dire que sur les sites sur intervention, pour faire maintenant respecter la loi, au moins discuter avec le syndicat. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.